l'ennui ne naît pas de l'uniformité, mais de la désinvolture. Voilà, donc j'ai découvert tous les gels possibles, et ça ne coule pas. Comment est-ce que c'est possible? Oh, ça déborde, on y est déjà. Voilà. Quand je m'aperçois que j'ai dit des conneries depuis 10 ans, je me dis, ah, je suis heureux. C'est... Parce que c'est le seul moyen de progresser. C'est merveilleux. Hein, oui. Qu'il faut trouver aujourd'hui des moyens d'assurer la sécurité alimentaire. Hein. Et ce n'est pas en tapant sur les agriculteurs qu'on y arrivera. Il faut être intelligent et force de proposition. Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'honneur, le privilège de faire une vidéo en présence de l'éminent Hervé Tisse, qui est ici et qui m'a fait le plaisir, merci Hervé, de m'accueillir dans son laboratoire. Donc on vous a déjà fait en fait une vidéo sur la cuisine moléculaire, je vous mets évidemment le lien en description, et aujourd'hui Hervé nous propose de nous introduire un petit peu le domaine de la gastronomie moléculaire, donc vous allez voir, ça va être passionnant. Et Hervé, je souhaitais commencer déjà par une question très simple, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques termes ce que c'est que la gastronomie moléculaire? Ah ouais, ça c'est très facile. La chimie, c'est extraordinaire. Donc la gastronomie moléculaire est la discipline scientifique qui explore les mécanismes des phénomènes qui ont lieu lors des transformations culinaires. Quand on cuisine, il se passe des choses, par exemple un steak bruni, un soufflé gonfle, un cake se fissure, ça s'appelle des phénomènes. Ils ont lieu pour des vraies raisons mécanistiques, enfin il y a des osmoses, capillarité, tout ce que vous voulez. La gastroculaire va explorer les mécanismes de tous ces phénomènes. Je veux comprendre pourquoi les soufflés gonflent, moi je veux comprendre pourquoi les steaks brunissent, je veux comprendre pourquoi une carotte s'amollit quand on la cuit, c'est quand même bizarre quoi. C'est... Voyons, on envoie des sondes sur Mars et on sait même pas ce genre de choses. Donc c'est intolérable, il faut faire de la science, quoi. Et il faut faire de la science. Il ne faut pas confondre science et application, et technologie ou technique. Qu'est-ce que vous avez prévu de nous montrer aujourd'hui? On a alors, comme sujet à l'étude. Alors, là, on ne fait pas de cuisine aujourd'hui. Hein, Donc, j'aurai rien à goûter? Non. Ça, pas. Juste la satisfaction de l'esprit. Oui, mais vous allez voir que quand même que je vais vous donner la possibilité de faire la cuisine très différemment après. Vous voyez, la science, elle cherche les mécanismes des phénomènes. Une fois qu'on les connaît, on peut en faire quelque chose. Et ça s'appelle la technologie. Technologos. Technique, la technique, c'est je bats un blanc neige. Ça, c'est un geste technique. Technique, en grec, ça veut dire je fais. Donc là, je fais. Bon. La technologie, c'est je me dis, tiens, je veux battre un blanc neige. Lequel je vais prendre? Celui-là. Cette réflexion-là, c'est une réflexion technologique. Il n'y a pas de science, s'il n'y a pas de technique, on est en train de réfléchir et d'améliorer. C'est la technologie. Et puis, il y a la science qui, elle, ne fait pas la cuisine. Alors, on va faire une expérience, parce que la science commence par un phénomène, donc il nous faut bien un phénomène pour commencer. Et le phénomène qu'on va faire, c'est de faire un gel. Alors, on va donc faire un gel de gélatine. Hein. Ah, la chimie, c'est extraordinaire. J'ai fait tremper des feuilles de gélatine, que voilà, je les mets là. Hein. Il me faut de l'eau, donc je vais prendre de l'eau. Je voudrais remplir un verre d'un gel. Je vais maintenant chauffer mon eau pour dissoudre ma gélatine. Pour l'instant, elle n'est pas dissoute. Alors, comment ça marche? Start, c'est parti. Ouais. Est-ce que c'est chaud? C'est chaud, donc on est bien. Oui, c'est dissous. Hein. Ça a été produit à partir de viande dure en général, hein. Soit de la peau, soit des tendons, Ça ressemble à du collagène ou c'est... Alors c'est ça, dans une bidoche, il y a des fibres musculaires, c'est-à-dire que c'est des cellules hein, qui sont longues, 20 cm, chacune est un tuyau, donc voilà le tuyau. La peau du tuyau, c'est ce qu'on appelle le tissu collagénique, c'est comme du papier, sauf que les fibres, c'est pas les fibres de la cellulose, c'est les fibres de collagène. C'est ce qui donne un peu l'élasticité à la peau, ses propriétés. Oui, parce que si vous avez une fibre comme ça, bah, c'est un peu mou. Hein. Ouais. Voilà. Donc en réalité, dans la viande, il y a donc des fibres de collagène, enfin non, des fibres musculaires, pardon, qui sont entourées de tissus collagéniques, lequel est fait de collagène, et c'est ça qui fait que c'est dur. Si vous cuisez, le tissu collagénique se défait, comme si vos fibres de papier faisaient la pâte à papier, et après, si vous cuisez encore plus, le collagène se défait, et en plus, il se coupe en petits morceaux, il s'hydrolyse, on dit en chimie, donc il y a tout ça à la fois quand on fait de la gélatine. C'est ça qui fait que la viande va s'attendrir pendant la cuisson, c'est... Alors effectivement, dans une cuisson basse température très longue, on cuit pendant des heures, pour deux raisons, pour défaire le
tissu collagénique pour pas durcir l'intérieur des fibres et en plus pour qu'on ait le temps de faire l'hydrolyse parce que ça va libérer des peptides et des acides aminés qui ont beaucoup de saveur. Oui. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça gélifie hein, pour faire l'expérience. Donc on part se promener puis on revient. Ça met combien de temps à gélifier à peu près ça? Ça dépend de la température. C'est le temps que ça revienne à l'ambiance, en gros. Ouais, on peut le mettre au frigo. Oui, on pourrait le mettre au frigo. Hein. Mais est-ce que la vitesse de refroidissement influence pas un peu la gélification? Ah, là, c'est très bonne question. Ça influence. Au frigo, c'est plus dur, plus cassant, mais ça tient pas au réchauffement. À la température ambiante, c'est plus pris, plus tendre, et ça résiste au réchauffement. Ah oui, ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est une question très intéressante. Hein. A few moments later. Alors, tiens, là, il y a des tas de choses extraordinaires à savoir. Donc, il est pris. Hein. Alors, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on veut montrer que c'est un gel connecté, donc ça peut diffuser. Alors on peut prendre on prend un colorant, alors ça peut être du bleu méthylène, voilà, mais ça peut être de l'encre, hein. Voilà, voilà, comme ça, ça ira. Et ça va s'enfoncer progressivement avec une vitesse qui dépend de la force en gel. Si on fait un gel très fort, ça va diffuser plus lentement qu'avec un gel pas très fort. Donc si par exemple on faisait varier la quantité de gélatine, ouais, ça modifierait la vitesse? Absolument, j'ai fait cette manip il y a longtemps. Ouais. Super. Ouais. La vitesse de diffusion, c'est à peu près 1 cm par jour, à peu près. Voilà. Ça dépend de la force du gel. Bon, alors on va le laisser, et puis ça va diffuser progressivement. Voilà. Voilà. On revient, on va manger, on revient. Ouais. A few moments later. Moi, ce que je propose de regarder, c'est deux choses. C'est par au-dessus. On voit un cerne jaune autour. C'est de l'encre, hein. C'est de l'encre bleue. Mm. Donc, c'est rigolo. Il n'y a pas un pigment bleu. Il y a un pigment jaune. Donc là, on fait déjà de la chromatographie, comme la chromatographie sur couche mince. On sépare les constituants. Voilà, on commence à séparer. C'est pas de la capillarité au sens qu'il y a des petits grains entre lesquels ça va migrer. Mais ce qui compte, c'est que ça migre et que les vitesses de diffusion des composés ne soient pas les mêmes. Voilà. Ouais. On ne dit pas plus. Hein. Tout à fait. On voit d'abord que le jaune diffuse plus vite que le reste. Là, on a, mettons, une heure ou deux, donc on a plusieurs millimètres déjà. Si on avait un gel plus faible, on en serait descendu plus vite. Ce machin-là, c'est de l'eau, on est d'accord. Cette eau, elle est tenue. Et là, elle est tenue par les liaisons entre les molécules d'eau et les brins du gel, le polypeptide. Ici, c'est que des liaisons hydrogène, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Pourquoi est-ce que le gel tient l'eau si fort? À quelle force il le tient, par exemple? Les composés colorés, ils vont migrer dans l'eau, donc ils sont retenus aussi par le gel, mais ils sont dissous dans l'eau. Quelle est la taille des trous? Alors la taille des trous, pour un gel léger, c'est de l'ordre de 10-7 mètres. C'est gros, 10-7 mètres, par rapport à une molécule d'eau qui est de l'ordre de 10-10. C'est plein de trous, comme une éponge, et pourtant ça ne coulera pas à travers. Ça veut dire que le trou est énorme, mais que l'eau est quand même vachement retenue. Tenue, vachement tenue, oui, parce qu'une molécule d'eau qui est très tenue sur le brin va tenir une molécule d'eau qui est à côté, qui va tenir une molécule d'eau, donc il y a une espèce de mouvement, de courbe de décroissance. Là, il va aller dans toutes les directions, comme c'est pas la gravité. Il est, il est radial, oui. Ouais. Il est radial. Okay. Ouais. Voilà. Un gel de gélatine. Ah, chimie, c'est extraordinaire. On peut prendre une carotte, bon, elle est pas belle hein, celle-là, mais et on peut la couper comme ça, voilà. Voilà. L'ennui ne naît pas de l'uniformité, mais de la désinvolture. Si je regarde la carotte en disant c'est une carotte, je m'ennuie. Donc il s'agit de regarder, de voir que le monde est beau. Si on regarde une carotte, on voit qu'il y a une partie corticale, on voit qu'il y a des cernes concentriques, on voit qu'il y a cette partie blanche ici, on voit qu'il y a le cœur, on voit qu'il y a une espèce de ramification à partir du centre, on voit des tas de choses. Bon. Donc déjà la carotte c'est un système physico-chimique façonnant. Physico-chimique ça veut dire que c'est assemblé dans une matière, hein, c'est pas simplement des atomes qui se baladent. Cette matière, il y a 90% d'eau, il y a de la cellulose, il y a des pectines, et puis dedans, il y a des trucs qui donnent du goût. Mais la carotte, elle n'est pas faite pour donner du goût. Les humains, ils ont découvert que la carotte était bien parce que ça contient des sucres et des acides aminés. Et ça, c'est des nutriments. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce qui me passionne le plus, c'est que ce machin-là, c'est 90% d'eau. Et ça coule pas. L'eau est piégée dedans. L'eau est piégée dedans. Le mieux, c'est la feuille de laitue. Une feuille de laitue, c'est ahurissant. Vous prenez une feuille et c'est 99% d'eau. Et ça ne coule pas. Comment est-ce que c'est possible? On le sait pourquoi, comment c'est possible. C'est possible parce que une carotte, une feuille de laitue, c'est des cellules jointives, donc des petits sacs qui contiennent de la flotte, hein, de l'eau. C'est tenu par une sorte de ciment qui est fait avec la cellulose et les pectines. Les pectines, c'est ce qui fait la confiture. Hein. Mon mouchoir, c'est de la cellulose. Le coton hydrophile, c'est de la cellulose. Ça, c'est de la cellulose. Et la cellulose, c'est un composé fascinant parce que il est chimiquement très très résistant. Quand je mets de la cellulose à la machine à laver à 100 degrés, je fais bouillir, mon mouchoir il se dissout pas.
Donc ça résiste à 100 degrés, et 100 lavages, 1000 lavages. Donc c'est... D'ailleurs, nous, dans l'organisme, on ne le digère pas non plus. Ah, voilà, ouais. On la découpe pas. Et on appelle ça des fibres. Ah, voilà. Ouais. Donc ça, c'est un gel. Alors, ce gel, il est particulier parce que, voilà, je vais prendre un colorant, voilà, je le mets là, voilà. Alors, je le vois s'étaler un peu, je vais le retourner tout de suite, 1, 2, 3, hop, mais il n'y a pas de couleur. Il faudrait que je lui donne du temps, mais pour l'instant, il n'y a pas de couleur. Mmh. On voit bien qu'il y a deux gels différents. Vous voyez, si je fais un gel de gélatine, hein, il a la gélatine qui fait l'architecture, et puis dedans, il y a les molécules d'eau qui sont là, comme ça, voilà. Ça, c'est un gel connecté. Si je mets un colorant ici, il peut diffuser dans toutes les directions et il va diffuser dans toutes les directions. Bon. En revanche, il y a des gels non connectés. Donc celui-là, je fais des sacs qui sont fermés. C'est ma carotte. Hein. Je mets un colorant ici. Bah, il ne peut pas aller nulle part, donc il ne diffuse pas. Donc on voit déjà deux gels. C'est-à-dire qu'on a un seul mot, gel, voilà. Mais ça, c'est un, et ça, c'est deux, et un est différent de deux. Et la question, c'est, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui. Combien il y a de possibilités, quoi ? Combien il y a de possibilités ? On se rappelle la définition de l'UPAC, et un gel, c'est un liquide dans un solide. Voilà. En voilà un autre liquide. Est-ce qu'on peut faire un gel d'huile, par exemple ? Probablement. Probablement, mais il faut le faire, ça devient intéressant. Est-ce que je peux faire un gel d'éthanol ? Vous voyez, est-ce que je peux faire un gel de vodka ? Et puis, est-ce que je pourrais faire une émulsion d'huile dans l'éthanol dans un gel ? Ou bien, est-ce que je peux gélifier de la mayonnaise ? Ça libérait la mayonnaise en bouche ? Non, bon, c'est pas la question. On voit les gourmands, on voit les gourmands. Ouais, hein, est-ce qu'on peut gélifier un apéro ? Oui, c'est important. Oui, c'est important. Et alors, comment on fait, Hervé, pour calculer tous les gels possibles ? Alors, voilà. Pour voir tous les gels possibles, on va se poser des questions. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'un aliment ? Moi, je suis un enfant. Je me dis, je vais d'abord regarder. Qu'est-ce que je vois dans un plat comme ça ? Je vois une couche jaune de sauce. Ensuite, je vois une boule blanche. Je vois une boule jaune, je vois un tapis d'herbe et un tapis de sauce. Donc je me dis, il y a une organisation macroscopique, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Et c'est celle que je viens de décrire. Maintenant, si je prends mon microscope et que je regarde n'importe quel élément, par exemple la sauce, je vais voir que cette sauce, elle est construite. C'est une émulsion, là. C'est une émulsion, ouais. C'est des gouttes d'huile. Alors, il y a trois bulles d'air, mais ça, c'est une émulsion. C'est des gouttes d'huile dans l'eau, c'est ça. Voilà, une émulsion, c'est la définition, c'est des gouttes d'huile dispersées dans l'eau. Ça pourrait être de l'eau dispersée dans l'huile, mais là, celle-là, c'est de l'huile dans l'eau. Donc, vous voyez qu'il y a une construction macroscopique, il y a une construction microscopique de chacune des parties. Et puis, si je continue avec un super microscope, je peux voir une organisation nanoscopique. On parle beaucoup de nanoparticules aujourd'hui. Oui. C'est encore plus petit. C'est-à-dire que mon émulsion, j'ai regardé, ben, je vois une construction à une échelle inférieure. Et si je regarde plus loin, je vois une organisation moléculaire. Alors, vous allez me dire, c'est pas des molécules, ça. Non, c'est pas des molécules. C'est une expérience que tout le monde peut faire. Les gens disaient, il faut jamais faire des confitures de fruits rouges dans des bassines en cuivre étamé. Donc, de cuivre oui. Avec de l'étain. Oui. Donc, j'ai mis de l'étain sur à des fruits rouges. À cause de la toxicité de l'étain. On n'en sait rien. Il disait, faut jamais. Bon. Donc, j'ai mis de l'étain, il ne se passait rien. Mais en réfléchissant, l'étain, il est métallique. Donc, il y a une interaction, c'est plutôt les sels d'étain qui seront en surface. Donc, j'ai pris des sels d'étain. Vous mettez des sels d'étain 2 sur des framboises et elles virent au violet immédiatement. Et elles virent au violet parce qu'il y a une complexation moléculaire. Donc, vous voyez, il y a une organisation moléculaire. Il y a une organisation macroscopique, il y a une organisation microscopique, il y a une organisation nanoscopique, il y a une organisation moléculaire. Bon. Donc, ça, ce serait l'étain qui vient se complexer. C'est l'étain qui vient se complexer sur les anthocyanes. Les composés phénoliques. Ouais, les anthocyanes. Super. Voilà. Moi, ce que j'ai inventé en 2001, c'est un calcul, un petit calcul. On enseigne ça à des enfants, hein. C'est vraiment facile. Qu'est-ce qu'il y a en cuisine ? Ben, il y a des gaz, une bulle d'air, c'est du gaz. Il y a de l'eau. Le vin, c'est de l'eau, le thé, c'est de l'eau, le café, c'est de l'eau. Au premier ordre, hein, on pense en chimiste. Hein, c'est un bouillon de viande, c'est de l'eau. Et puis, il y a de l'huile. Les graisses, c'est de l'huile. On appelle ça huile quand elles sont liquides. Et puis, il y a des solides. Un cristal de sucre, c'est un solide. Bon. Et puis, ils vont être organisés les uns par rapport aux autres. Donc, j'ai inventé une espèce de petit calcul qui, pour chaque architecture, peut décrire par une formule. Donc, voilà la formule de celui-là. Mais voilà la formule de l'émulsion. D'accord. Et donc, pouvez-nous la décrypter oui. Alors, c'est des gouttelettes d'huile. Des zéros, ça veut dire des objets de dimension zéro, mathématiquement. Donc, c'est des gouttelettes d'huile. Disperser, le slash, ça veut dire disperser aléatoirement. Dans quoi ? Dans la phase continue D3. Le D3, c'est un bloc, c'est un solide. Voilà, trois dimensions. Et c'est de l'eau. D'accord. W, c'est water, ça veut dire eau. Donc, finalement, j'ai des gouttelettes d'huile, parce que zéro, c'est ponctuel. Donc, de l'huile. Ouais. Dans
de l'eau, water, et qui fait la phase continue. Fait la phase continue. Okay. Voilà. Alors après, on continue, c'est-à-dire celui-là, on ferait cette formule, celui-là, on ferait cette formule. On fait tout ce qu'on veut. Hein, c'est, voilà, ouais. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on a tout pu décrire. Bon, donc ce formalisme, il est bien. Maintenant, on revient au gel. Voilà la microscopie d'une carotte, ou ça c'est un oignon, mais c'est pareil, hein, les cellules vivantes, qui sont cimentées par les celluloses et les pectines. Et donc ici, on est bien encore avec la même formule, et on peut en faire une application en cuisine. Si on prend de l'alginate de sodium et on prend des ions calcium, on peut faire comme des œufs de saumon artificiels, donc des perles, où il y aura une peau gélifiée et à l'intérieur c'est liquide. Et alors après, si on les colle entre eux, eh ben, on a cet objet-là. Donc c'est une orange artificielle. Là, c'est du jus d'orange pris dans des perles d'alginate et collé entre eux. C'est comme une orange. Une orange, c'est des petits sacs qui contiennent du jus d'orange. Ah oui. Et c'est meilleur parce que hier, j'ai mangé une orange. Elle était acide, mais très acide, et elle était fibreuse. C'était dégueulasse. Alors que là, je peux le faire sur mesure. Ah oui. Je contrôle mon orange. Hein. Ben, oui. Est-ce qu'on a les vitamines dans cette... Si j'en mets, si vous voulez des vitamines, je vous en donne. Je vous donne toutes les vitamines après. Que vous voulez. Bon, ben, ça me va alors. Alors après, il y a d'autres gels possibles. Vous voyez, la viande, c'est un gel, mais celui-là, il y a une dimension. Les fibres, elles sont de dimension 1. Elles sont plus de dimension 0. Ouais. Si j'avais empilé des feuilles, ce serait dimension 2. Vous prenez des tranches de jambon, vous les superposez, vous avez un bloc des 3 avec des feuilles de jambon des 2. Oui. C'est très amusant, c'est très facile. Hein. Alors voilà un gel de gélatine. Alors la gélatine fait un filet de pêcheur et celui-là, il est connecté. Vous voyez, c'est une autre formule. C'est plus le slash, c'est croix. Croix, ça veut dire qu'il y a deux réseaux continus. Imbriqués l'un dans l'autre. Imbriqués dans l'autre. D'accord. Voilà. Okay. Tout simple. J'ai fait un petit programme. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lignes. 16 lignes de programme, de code. Et avec ça, je vous calcule tous les gels possibles. Alors, Akabi, Akaba, clac, ils sont là. C'est les gels simples, d'accord, que j'appelle de classe 1. Il n'y a qu'une seule phase qui est dans le gel. Bon, les voilà. Il y en a 16. Il n'y en a pas 17, il n'y en a pas 18, il n'y en a pas 7, il y en a 16. Voilà, donc j'ai découvert tous les gels possibles de classe 1, mais j'ai fait le travail évidemment pour la classe 2, c'est-à-dire des trucs plus compliqués, et il y en a à peu près 1489 qui sont là, voilà. Donc vous avez devant vous tous les gels possibles. Ah oui. Alors, vous voyez, ça c'est un travail de gastronomie moléculaire. On n'est pas en train de faire la cuisine, on est en train de se poser des questions sur la construction de l'aliment, sa transformation, machin, et ça nous amène à des choses qui étaient complètement imprévues. Alors maintenant, un truc rigolo, vous voyez, il y a des gels qui libèrent différemment le goût. Vous prenez un bouillon, vous mettez de la gélatine très peu, vous le prenez en gel, vous avez bon, bien le goût de bouillon. Si vous mettez beaucoup de gélatine, on dit que c'est trop collé en cuisine, et ben, il n'y aura plus de goût de bouillon. Parce que les molécules sapides, elles ont du mal à arriver. Parce qu'il y aura une diffusion qui sera différente, parce que pour plein de raisons. Ouais. Et de ce fait, il y a des gels qui vont libérer très vite, on appelle ça une attaque en bouche, puis il y a des gels qui vont libérer beaucoup plus lentement. Alors la question c'est, est-ce qu'on pourrait faire un gel qui va libérer un goût qui va disparaître, puis un deuxième qui va disparaître, puis un troisième qui va disparaître. Et la réponse, on l'a fait, on était à Aarhus au Danemark avec des chefs et des doctorants de chimie, et en une après-midi ils ont fait ça. Et c'est rigolo. Ouais. Et c'était bon? Ah ben c'était cette sensation d'avoir des goûts successifs, c'était quand même assez inouï. Hein. C'est très facile à faire. Hein. Très facile à faire. Ah ouais. Vous prenez une des formules, vous le faites bien et puis ça va. Ah, chimie, c'est extraordinaire. Alors, moi, je vous propose de partir d'une formule. On va partir d'une formule qu'on va écrire là, on va dire... Ben, on va faire une émulsion. Donc voilà une émulsion, on va la faire intriquer dans un solide. Alors là, ça sera une dimension 3, et là aussi, ça sera dimension 3. Donc voilà, mais ici, ça sera dimension 0, donc de l'huile, je l'écris plus proprement. Hein. Là, ça sera, il faut que ça soit une dimension 3, et ça, tout ça, ça fera une dimension 3, et ça sera imbriqué dans une dimension 3 solide. Voilà, on va essayer de faire ça. Ce produit s'appellera un gips ou un gips, enfin, comme vous voulez. Donc c'est G égale H moins TS. Voilà, dans le temps, mon invention, je l'avais appelé G égale H moins TS. Et mes copains cuisiniers me disaient, oh non, il y avait des équations en cuisine, ça fait pas chic, donc je l'ai appelé gips. En général, ce sont mes étudiants qui vont être contents de revoir ça. Mais oui, parce qu'en plus, on révise en mangeant des bonnes choses, donc ouais. Reste bien. Ouais. Un gips. Alors, on va commencer de la façon suivante. Ben, on va commencer avec un blanc d'œuf. Voilà, j'ai donc un blanc d'œuf. Je veux faire une émulsion, hein, vous rappelez, je veux faire une émulsion. Donc, il me faut de l'huile.
Alors, je vais donc commencer par mettre une goutte d'huile sur l'eau. Le blanc d'œuf, c'est 80% d'eau, 90% d'eau. L'huile, c'est de l'huile. Vous voyez que l'huile s'étale à la surface du blanc, ce qui est normal, parce que l'huile flotte au-dessus de l'eau. Hein. Parce qu'elle est moins dense. Moins dense, voilà. Alors maintenant, je veux faire une émulsion. Alors là, il faut faire de la technique, malheureusement. Bon. Alors, je prends lequel ? Je me dis la chose suivante. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est que mon huile soit divisée en gouttelettes. Si j'ai un fil, je le coupe en deux. Mais si j'ai deux fils, je le coupe en trois. Donc, il me faut plus de fils possible. Donc, lequel je prends ? Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. Moi, ça irait sur celui-là. Non, je prends tout à la fois. Voilà, ok. Bah, j'ai beaucoup plus de fils. Bah oui. Alors, doucement, hein, goutte à goutte. Hein. Vous voyez que... Attendez, parce qu'on va beaucoup trop vite. Vous voyez qu'il y a des bulles d'air, déjà. Hein. Ces bulles d'air sont transparentes. Donc, comment est-ce qu'on peut les voir ? Entre vous et moi, il y a de l'air, vous ne le voyez pas. Donc comment est-ce qu'on voit l'air ? Parce qu'il est entouré de liquide. D'un liquide, mais vous avez le liquide sur le liquide, et alors, il est transparent. Regardez la grosse, là. En fait, on la voit parce qu'on voit les reflets blancs de la lumière. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas la bulle, c'est les reflets blancs de la lumière. Quelle couleur sera un blanc en neige éclairé en lumière rouge ? Rouge. Eh bien, rouge, absolument. Et alors, question de lumière, quelle couleur fait-il à l'intérieur d'un blanc en neige ? Parce que si la lumière est réfléchie, elle ne rentre pas. Donc peut-être qu'il fait noir dans un blanc neige. Oui. Alors je sais la réponse. Hein. Allez-y. Il y a des gens qui ont écrit dans des livres de cuisine « Jamais une goutte de blanc pour faire une mayonnaise, sinon ça ne prend pas. Ben » Là, on fait une mayonnaise au blanc. Et ça prend. Hein. On voit bien que ça prend. Et c'est dispersé. On est bon. On va s'arrêter là. Alors, j'avais calculé. C'est un calcul amusant à faire. Avec un blanc, on peut faire 30 litres d'émulsion. Cette émulsion, il reste, si on regardait au microscope, il resterait quelques bulles d'air. Pour l'instant, c'est une émulsion mousseuse. Enfin, ou c'est une mousse émulsionnée. Voilà. Très honnêtement, si on voulait vraiment écrire ce qu'on a fait, pour l'instant, on a de l'eau, hein, c'est W. Dedans, il y a des gouttelettes d'huile, donc c'est O. Et puis, il y a des bulles d'air, c'est G. Donc pour l'instant, on est déjà dans G plus O dans l'eau. D'accord. Gaz plus huile dans l'eau. Bon. Alors maintenant, on va faire la chose suivante. On va le mettre dans un verre, comme ça. Alors, on est d'accord, hein, ça n'a aucun goût. Hein. Bah, oui, l'huile n'a pas de goût, le blanc d'œuf n'a pas de goût. Non, pas mince, au contraire, parce que maintenant, je vais pouvoir en donner. Si j'avais un goût, a priori, je ne pourrais pas le changer. Alors que maintenant, il n'y a aucun goût, j'aurai un support neutre où je peux tout faire. Si je mets du champignon, ça sentira le champignon. Si je mets de la mangue, ça sentira la mangue. Si je mets du sucre, ça sera sucré. Si je mets du sel, ça sera salé. Si je mets, etc. Donc, fantastique, finalement. Oui, c'est bien mieux. Alors maintenant, on va faire un truc. Qui a déjà cuit une mayonnaise ? Personne. Pourquoi ? On est au 21e siècle, on envoie des sondes sur Mars, personne ne cuit les mayonnaises. Alors, cuisons une mayonnaise, exprès. Mais cuisons une mayonnaise en réfléchissant. Ici, on a quoi ? On a de l'eau, de l'huile et de l'air. C'est un four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, il chauffe l'eau, pas l'huile. Parce que les molécules d'eau sont polaires et celles d'huile ne le sont pas. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Ça chauffe quand même un peu parce qu'il y a des doublets électroniques sur les atomes d'oxygène dans l'estérification des triglycérides. Oui. Mais alors, bon, on y va. Allez. C'est là qu'il faut regarder parce que les micro-ondes vont arriver dans l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc il y a beaucoup d'énergie dans pas beaucoup d'eau, donc ça va bouillir. Donc ça va gonfler. Mais si ça gonfle, ça veut dire qu'il fait 100 degrés. Oh, ça déborde, on y est déjà. Voilà. Donc on a un soufflé en 15 secondes. Et là, on est à notre système. On a tout ce machin-là, G plus O slash W, dans le solide coagulé des protéines du blanc d'œuf. Eh oui, parce qu'on a cuit la protéine, on a évaporé de l'eau. Et... Non, l'eau elle est restée, elle est là. Oui, très peu d'eau s'est évaporée. Oui. Donc on a juste cuit. Le soufflé a gonflé, mais après il est redescendu. Hein. C'est comme tous les soufflés. Hein. Ouais. Et vous voyez, vous avez fait un soufflé en quelques instants. Alors, et on peut le, vous voyez, il est pris. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors ça, c'est un gypse. D'accord. Ouais, il a bien gélifié. Ouais. On pourrait le manger, ça ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous mettriez dedans ? On avait dit qu'on ne mangeait pas dans cette vidéo. Non, mais d'abord. La cuisine, c'est d'abord de l'amour, ensuite de l'art, ensuite de la technique. Et donc, moi, comment le faire bon ? Ben, d'abord, je le mettrais sucré, parce que l'être humain, il aime bien le gras et le sucre. Donc là, on va avoir du gras et du sucre. On va lui mettre, je ne sais pas, le printemps arrive. On va mettre à la vanille, par exemple. Ah ouais, une goutte de vanille. Très, très bon, très, très bon, vanille. Oui, vanille. Ça,
comme ça je pourrais te planter. Ah oui, non, mais il faut le faire à la maison. Bien sûr, plein de sucre, de la vanille, ça marche à tous les coups. Ok. Vous le faites servir dans une jolie tasse, vous ne dites rien à personne, ils vont dire « Oh, c'est bon !» Ça, mais attention, parfait. C'est moins bien que la science. Oui. Et puis moi, je me souviens que quand je suis sorti de l'école de physique chimie, le SPCI, en 80, je me vois encore, c'était en quatrième année, je me vois encore discuter avec un copain et lui dire « Ah, c'est quand même pénible, les vieux, ils ont tout découvert. Ils ont découvert la relativité, ils ont découvert la physique quantique, ils ont découvert... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ?» Et en vrai, il reste tout à faire, tout. Chaque fois qu'on apprend de nouvelles choses, on se rend compte de tout ce qui reste à aller chercher. Mais même, vous avez des abricots bien mûrs, ils sont sucrés, ils sont bons. Vous faites une tarte aux abricots, tout d'un coup, ça devient acide. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mesuré le pH, il ne change pas. J'ai mesuré le pH intracellulaire par résonance magnétique nucléaire du phosphore 31, je n'ai pas vu de différence. Je ne comprends rien, je suis très content. Et donc, les scientifiques, il faut qu'ils soient contents de ne pas comprendre. Il ne faut pas des gens sur deux, ce n'est pas un dogme. C'est justement, on doit réfuter tout ce qu'on sait. Quand je m'aperçois que j'ai dit des conneries depuis 10 ans, je suis heureux. Parce que c'est le seul moyen de progresser. C'est ça l'enjeu. C'est merveilleux. Donc, voilà pour la gastronomie moléculaire, c'est en fait de la science. Merci beaucoup Hervé. Eh ben, plaisir, vive la chimie. Oui, vive la chimie, c'était passionnant et vraiment c'est éblouissant ce que vous nous avez montré et expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis comme d'hab, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à poser des questions si jamais vous avez envie, si vous souhaitez passer répondre à nos internautes. Ah oui, volontiers, je réponds toujours. Et voilà, ça a été un grand plaisir pour moi, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, nous dire ce que vous avez pensé, et puis nous on va partir pour un troisième épisode qui concerne la cuisine de synthèse, la cuisine note à note, donc là on va même parler du futur. Ah oui. Oui, c'est ça dont il s'agit, oui. On est 7 milliards sur Terre, il y a 1 milliard qui meurt de faim quand même, c'est grave. Hein. Et en 2050, moi je serai mort, hein, donc ça ne me concerne pas en quelque sorte, mais il y aura 10,4 milliards de gens, et si on nourrit seulement 6 milliards et qu'il y a 10,5 milliards, ça veut dire 4 milliards sur 10 qui meurent de faim, il y a une guerre mondiale. Donc il faut trouver aujourd'hui des moyens d'assurer la sécurité alimentaire. Hein. Et c'est pas en tapant sur les agriculteurs qu'on y arrivera. Hein. Donc il faut être intelligent et force de proposition. ça commence fort. Allez voir la vidéo. Rendez-vous la prochaine vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.